Donc jusqu'au mois de septembre 2014, nous avons fait 75 affaires déjà, avec 5 conteneurs de 40 pieds, donc ça c'était par les ports, qui représentaient 838 000 unités, et également dans, sous forme de boîtes qui ont été importées. Vous avez pour une valeur de cette marchandise qui représente 134 millions de dinars, avec 4 véhicules saisis, d'une valeur de 13 millions, de près de 14 millions de dinars et une amende de 179 millions de dollars. Mais justement, par rapport à ces produits, ils sont prohibés, ils sont interdits et pourtant ils pénètrent notre marché. D'où proviennent-ils? Comment ils font les contrebandiers? Généralement, acheminés sur le marché. Oui. Et vous dites, nous avons renforcé notre dispositif de contrôle, mais il s'avère être un peu quelque part défaillant puisqu'ils existent quand même sur le marché. Oui. Et puis vous avez parlé des feux d'artifice. Les feux d'artifice, maintenant, c'est devenu à la mode. À chaque mariage, on explose des feux d'artifice. Exact. Mais vous savez, ils les importent de Chine d'ailleurs. Donc, et en les important de Chine, c'est toujours sous une fausse déclaration. Ils vous mettent vaisselle, hein, dans sa déclaration, ils vous mettent vaisselle, et vous ouvrez le conteneur, vous allez trouver des pétards. Parfois, mieux encore, ils essaient de maquiller le contenu, les 4/5 du contenu du conteneur des pétards et des produits prohibés, et juste à l'ouverture du conteneur, vous allez voir de la vaisselle, des bottes. Donc si vous ne cherchez pas à l'intérieur, si vous n'ouvrez pas, si vous ne fouillez pas tout le conteneur, vous ne verrez rien du tout.